les voix. Alors on va faire... Bon bah ça c'est Raxorus. Vas-y Raxorus, fais un petit... Ouais, salut à tous. Et à toutes, bien sûr. Raxorus. Shipman. Bonsoir à tous. Vous connaissez maintenant hein, le dépanneur d'internet, évidemment. Et Dark Eras. Bonsoir. Oh putain. Voilà. Il nous a sorti une voix d'outre tombe. Bonsoir à tous. Hello. Hello, je suis un sacré pirate. Oui, capitaine. Nous sommes prêts à embarquer. Oh là là, un CRP. Alors attendez, je mets ma jambe de bois. Et on y va. N'oubliez pas votre crochet, capitaine. Je crois que j'en ai pas, moi. En même temps, je vois qu'un crochet... Hein? Quoi? Allô? Ça, bah ça quoi va vous? On peut. Je vois pas le problème. Ouais, moi j'ai un crochet, une jambe de bois. C'est vrai, toi t'as les deux. Ouais, oui. Mais toi t'as pas eu de chance dans ta vie, non? T'as rencontré beaucoup plus, de fois le Kraken, plus, le Cthulhu-loulou. Tu peux payer pour... Enfin, tu dois payer pour avoir une jambe de bois. C'est le mot. Ah ouais, pour être amputé, bah c'est génial en tout cas. Hein. Et c'est pareil pour avoir un crochet, tu payes pour te faire amputer la main. Non, 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 mais moi ça va, moi mes deux mains, c'est bien. À la rigueur, je peux payer pour une petite manucure, mais bon, ça s'arrête là quoi. Moi je paye pour des manucures de bateau, tu sais. Oui, c'est vrai, mais du coup, comme t'es là, on va avoir la coque. Oui, la coque Pandawa. Parce que sans toi, notre coque était. Une coque de pauvre. Oui, c'est ça, une coque de pauvre. Ça fait bizarre une coque de pauvre, parce que je pense au. Ah oui, ok. Alors je veux juste. Réputation. Qu'on soit d'accord, réputation, bah affiche-toi. Fable. Nous allons faire les étoiles d'un voleur. Et non pas d'un violeur, Amtaro, hein, je te vois venir. Donc les notes d'un vieil observateur d'étoiles pointent vers les cieux et offrent un moyen d'obtenir une pièce du Shootbreaker. Alors, la question c'est comment ça se lance? Hein? Eh bien... les étoiles... Vas-y... Attends, je vais aller voir les étoiles d'un voleur. Alors... Déjà, il faut aller... auprès de Shoots... à l'avant-poste au nord-ouest des mers de Sea of Thieves en H10 très exactement. Alors nous pouvons aller à bord du... Tout nous allons en H10. Nous touché. Allons à bord du Naiseo Santiano. Santiano. Ah c'est marrant ça. Ah c'est drôle. Ah hein. C'est drôle ça. Qu'est-ce qu'on rigole capitaine. Ah regardez. Oh là là, on a jamais vu un aussi gros bateau. C'est excellent. Hâte de conduire. Bon, j'ai mis la coque. Prenez des ressources. J'ai mis la... Oh, vraiment? Est-ce vraiment indispensable? Oh, regardez comme il est fat, notre bateau! Oh là là! C'est un trois-mâts! C'est un fameux trois-mâts! Comme un oiseau, Uiseo! Sandiano! Oh là là, ma cabine! Oh, c'est le grand luxe, hein! Oh, j'ai un lit! Mais alors... Y'a qu'un seul lit, capitaine? Ouais... Bah, peut-être vous êtes en... Oh, merci Morgan Shepard, plus d'un an maintenant que mon petit cœur est ouvert pour toi sur Twitch. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil, très généreux de ta part. Merci beaucoup pour les dons ce soir. Oh là là, j'ai même une terrasse de navire. Oh, j'ai une terrasse. J'ai un balcon. C'est plutôt un balcon, ouais, c'est plutôt un balcon. Attendez, je fais le tour du propriétaire. Hein. Oh là là, c'est vraiment Titanic, quoi. Il a voulu me faire sauter, il a appuyé sur la touche, il m'a fait sortir mon sniper. Quel nul. Oh là là, mais attends, il y a plusieurs soutes du coup. Oh, oh là, c'est le dressing. Ouais, c'est formidable. Cette fois, je vais essayer de pas tomber en pêchant, yes. Je vais faire attention. Attendez. Ah, il y a encore un truc. Oh, ça c'est la prison. Ah oui, d'accord, c'est juste... Oh, c'est vraiment tout petit ici. J'ai pas l'argent pour acheter le jeu. Non, Ragnar il est à sec pour le jeu là. On lève déjà l'encre. Ah, on est parti. Qui est au gouvernail là? C'est moi le. On est dans la bonne direction, c'est sud-ouest normalement. Sud-ouest, allez, c'est parti, j'adore. Alors, j'ai besoin de monde pour baisser les voiles. Baisser les voiles. Nous arrivons. Bon, la mer. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a Zerator qui a fait un thread sur Sea. Oui, le vent. Ouais, le vent, c'est de la merde, mais c'est le jeu. Ah, mais c'est Amta qui m'en parlait au dernier live d'ailleurs, au dernier live Sea of Thieves. J'étais mort.
On est parti, les amis. Alors, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose, parce que bah là, je vois rien. Oh, au revoir, Lille. Salut. Lille. Ouais, la ville. Voilà, je vois. C'est dans pas le ouf, c'est vrai que le temps aujourd'hui n'est pas ouf pour partir en mer. On dit pas Kraken, Amtaro, sur ce stream, on dit un Cthulhu, s'il te plaît. Hein, ayons les bons termes. T'es, il penche quand même. Eh, hey, mais t'as un peu loulou Cthulhu, toi, Dark Eras. Ah, c'est ça aussi une fois. Yes. On dirait qu'il t'a mangé et revomi. Oui, moi, j'ai acheté ouais, la ceinture. Excellent. Déjà. Ah là là. Qu'est-ce qui passe derrière moi? Ah, c'est Shipman. Ça va. Ouais, mais alors, Shipman, ça veut dire que t'as dépensé des sous pour avoir une jambe en moins, toi aussi? Ouais. C'est con, hein. Ah ouais. Et on peut avoir deux jambes de bois, genre? Non. J'ai essayé. Faudra que je pense un jour à me looker, quoi, sur ce jeu. Petit concert, perso. Oh là là, c'est tellement beau. Bonsoir, touloulouloulou. Il faut aller un peu plus vers l'ouest. Quand on pourra... Non, moi, si je mets des cols de côté actuellement, c'est pas tant pour mon look que le look du bateau. Parce que je veux une proue touloulouloulou, justement. Capitaine, il faut aller à l'ouest. En train d'économiser pour le bateau. À l'ouest... À l'ouest. Ah non, mais à l'ouest, ouais, carrément. L'autre ouest. L'autre ouest. L'autre ouest. Ça met un peu plus de temps, non, à se... Ouais. Putain, on va galérer. C'est bon comme ça ou je dois... Faudra encore, prévenir encore, en avance, encore, hein, parce encore, que... vraiment ouest... Ah bah, je full braque, alors, genre... Ouais. On va sur un caillou, c'est ça que t'es en train d'essayer de me dire? Alors moi, je vous demande de faire une pause pour admirer l'eau, quand même, parce que... Bon... L'eau, là, elle est magnifique, hein, genre, ah, vraiment. Ouais. C'est Vaiana, le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. Vous connaissez, j'espère. Je crois ouais. Que ce bleu que moi je préfère, sans vraiment savoir pourquoi. Tu me donnes envie de regarder le... Combien, le Disney là. Bien là, je l'ai vu trois fois au cinéma, il était trop bien. C'est parti pour un live Twitch Things. Et pour la fête de la musique, petite coop musicale. Ouais. C'est Vaiana, yes. Vous avez les références. Je vais bientôt aller aux îles Canaries, vous me faites un petit teaser. Bah, ça sera exactement comme ça, la mer sera aussi belle. Et le Canaries, c'est validé, hein, personnellement. J'espère qu'il y aura moins de pirates. Parce que quand il y a le bateau des squelettes là qui arrive. Ah oui, c'est vrai. Canaries, non, c'est mais là, on est quatre, on va leur niquer leur mer aux pirates s'ils viennent nous voir. Ouais. Un peu plus. C'est tellement beau. Moi, il y a une île. Un peu plus au sud-ouest. Attends, je vais à la vigie. Un peu plus au sud-ouest. Ah ouais, mets le drapeau. Le. Ouais. La vigie. Ah oui, pavillon arc-en-ciel. Pavillon viking. Le pavillon bâillonné. Y'a pas le pavillon viking. Alors moi je mets le pavillon de la mini-cron. Hein, parce que tout le monde va me dire oui, Nao, c'est le pavillon LGBT, c'est pas du tout. C'est le pavillon arc-en-ciel des mini-cron. Oui, mais c'est aussi la parce que pregnant. Nous sommes des biscottes. Je vais finir par faire une émote. Faut aller à bâbord. À bâbord. À bâbord, capitaine. Tu m'as fait aller full à ouest pour me dire de maintenant d'aller à bâbord, genre. Bah, c'était la bonne direction, sauf que c'était un... Attends. La vigie qui vient de redescendre. Signal GPS. Ah non, attends. Oh là là, mais il sait pas où on va. Non. Attends. Mais on fait quoi? On cherche la quête? Oui. L'autre... refait demi-tour. Et la quête, elle est genre sur une île. Comment ça, refait demi-tour? C'était la micro-île, attends. What the fuck? Ah, c'est la micro-île avec de la brume. Ah, d'accord. Ah oui, là. Ouais, c'est ça. Donc on fait demi-tour, ouais. Quoi bah, je... perte du signal. Attendez, regardez comment on fait. Ouais, bah du coup... Attention, vous êtes prêts? Ah, il largue l'angle pour qu'on fasse un gros demi-tour, genre. Oh. C'est bon, on a fait le tour, hein. Et voilà. C'était efficace. Vin Diesel Nao. J'adore. C'est pas cette Prius. On a drift. C'est parti. Bon, maintenant, on a le vent de face, quoi. C'est le problème. Là, le vent est de face, hein, genre... Du coup, c'est on avance pas. Voilà, nord-ouest. Nord-ouest. Là, c'est une petite île, normalement. Ah bah, c'est ça qui est. Attends. Mais il y a de l'orage, là, vraiment? Ah, c'est ce truc de brun, là, à gauche. Attends. Mais on y est ou pas? Quelqu'un a vu sur la carte? Ouais, on y est. Ouais, c'est la petite île, là, chelou, là. Ok, je vois pas vraiment où elle est, donc j'ai l'impression d'aller droit dessus.
Man qui nous parle le patois. C'est de Brindille. C'est de Brindille. Ouais, c'est mes origines. Alors. Mes origines ch'ti. On va. Ouais. Le North Star Sea Post, c'est exactement là. Les amarres. Remontez les voiles. Remontez les voiles là. Mais attends, on a un petit peu de distance là. Laisse-nous nous approcher un peu, non? Un tout petit peu. Ah le. Allez, peut-être l'aider, il a du mal à remonter l'encre, je crois. L'encre. Attends, je monte un peu les voiles. Il est en galère. C'est lourd. Oui, mais si j'ai pas de voile, j'arriverai pas à avancer. Je vais travailler les muscles, hein. Eh ben, c'est compliqué d'avoir accroché une jambe de bois pour pousser. Voilà, voilà. Merci Nelifa pour le sub, GG à toi, level up niveau 18. On a combien de subs? Je vois pas, j'ai pas les trucs. 1000. Non, je veux dire. 178. Sur les 7, on est à combien? Ah, 5. Ah. D'après mon poste de modération. Là, on est bien, là, non? Par contre, pour ouais, coup, allez, je vous l'accorde. Ah, t'as relargué l'encre? Bah ouais, non. Ah bah yes. Non mais il avait vraiment peur de que je m'approche trop, je crois. Il a pas confiance. Ouais, non mais au moins il peut repartir bien, tu vois. Bah alors, tu nages? Ah, je suis allé un peu loin. Alors, ici se lancera la fable du voleur des étoiles. J'ai dit quoi? Oui, du voleur. Le violeur des étoiles. Je te laisse t'activer. C'est là? Ah ouais. Ah ouais, c'est là. Votez! Mettez tous! Faut voter! Ah oui, ma soeur, il faut voter. Ah, c'est pour ça que j'avais pas la fable encore. Je comprenais pas, moi. Les étoiles d'un voleur. Ah, salut Yusha! T'as rattrapé Dark Terrace les autres fables ou pas? Ouais, non. You. Pas moi! Genre le Shroudbreaker. Je l'ai, le Shroud. Ok. Moi, j'ai pas fait la conteuse de légende. J'ai pas mais la de toute façon. Il faudra qu'on la refasse à un moment, parce qu'il faut faire 5 fois, donc là. Mais non, c'est... Oh! Merci, salut, qui offre un sub à Tiomig. Merci flipper. Beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien. Non, un peu plus haut. Oh, et Majo Siris qui se resub à 14 voix. GG Hall, tu nous fais une soirée chanson pirate. On va chanter hein, pendant qu'on sera à bord. Merci à tous, du coup, vous avez déverrouillé le vlog demain. Je sais pas ce que j'ai prévu de faire. Ah, bah c'est la ZRT Club demain. Oh, vous allez voir mon live échauffement. Vous allez voir mon échauffement pour. Allô? Allô? Oui, il y a une coupure. Aïe aïe aïe. Badak le Kraken c'est oui, pour capitaine. Il m'a transpercé avec le harpon, mais genre. Tout va bien. Qui c'est qui a largué l'encre? Non, vous vouliez pas parler. Et mais on sait même pas ce qu'il faut faire. Vous avez, vous avez bu là, non? Tu sais qu'elle se relève vachement vite. Je passe à l'étoile polaire. Alors. L'île. Mais vous saviez qu'il avait il avait des trucs d'étoiles hein, devant lui. Hein. Peut-être qu'on devait s'en aider, non? Non! Si, je pense, attends. Ah! On a un site internet! Moi, je dis pas comme vous, hein! Attends, laissez les voiles. Nous avons laissé à l'abri des regards. Ma capitaine Brixby l'a enterrée là, près d'une lanterne suspendue et seule, elle me manque. Vous savez, je suis pas dans le bateau, hein, donc si vous partez. Un plus! Pas... Ah oui, je suis banni toujours là-bas! T'as regardé si ça faisait quelque chose avec le mec du coup? La grande ours! Je vais voir, attends. S'il faut attendre la nuit, en vrai, c'est bientôt, hein! Oh non. Bon. Alors par contre, moi je vous promets, je sais pas lire, je sais pas regarder les étoiles, donc je vous laisserai faire ça. Y a pas d'autres pages, c'est vraiment y a que ça genre. On dit que le grand aigle n'a jamais atterri. Celui qui en était témoin doit faire une sacrée offrande. Face à l'étoile polaire. Face à l'étoile polaire, je vois l'île où nous avons laissé à l'abri des regards. Ma capitaine Brisby l'a enterrée là près d'une lanterne suspendue et seule elle me manque. Navigue avec moi, j'ai secoué la tête. Je comprends pas. Ça te dit quelque chose? Attendez. Je retourne sur la petite. Hein. Deux petites secondes. Faudrait appeler Vaiana, elle nous aidera. Mais... Face au nord. Parce que sur les petites îles, il y a rien. Mer, j'aurais du grand livre. Attends, ça va être bientôt la nuit, donc c'est parfait. Face contre ça. C'est parce qu'il a. Du grand Kraken. Page 7. Ah, mais comment ça, t'as la page 7? Ah bah oui, tu fais mais moi, ça a changé pas de page tout à l'heure. Ours qui dort. À la page 7. Vieille sage respectée de tous. Flèche d'obsidienne pointe en dent de requin et a percé le cœur du kraken. Pourquoi on avance là colérique machin, ah ouais. Bateau à résine, ramé de palmiers comme ça. Bah salut hein. Bah lol. Ouais. Non mais. Moi, ça part sans leur capitaine. Ah bah génial. Le crabe. Le poisson. Mais qu'est-ce que c'est tout ce signe astro genre.
Ça fait pas la forme des îles, peut-être. Attends, le grand Kraken. Non, mais c'est les formes des étoiles. Mais du coup, ouais, mais attends. C'est bizarre un peu. Mais c'est RP, c'est la navigation. À mon avis, vaut mieux qu'on... Attends, il doit y avoir un truc. Mais sinon, tu passes plein de pages et il y a écrit Lonely Isle. Je suis sûr que c'est là. Ça doit être Lonely Isle. On dit que le grand aigle n'a jamais atterri. Celui qui en a été le témoin doit avoir fait une sacrée offrande. Mais c'était fou le rebou, les pirates, quand ils ont écrit attends, ça. Attends, mais il faut... Il y a encore plein de pages après. Hein. Oui. Non, mais attends, je suis en train de lire. Ouais, mais justement, à mon avis, il y a plusieurs... C'est comme l'autre où il y avait les dessins, il y avait trois trucs à chercher. Ouais, mais ça se déverrouillait au fur et à mesure. Ouais, là, j'avoue, il y a trop de trucs. Regardez les étoiles. Alors, l'étoile polaire. Étoile polaire. Il faut suivre le grand hameçon pour retrouver Maui. Alors, en ouvrant c'est votre livre de fables, vous aurez des indications pour trouver un objet essentiel à votre quête, la longue vue enchantée. Quoi ? Ouais. Où ça ? Bah là, c'est ça qu'on cherche, peut-être grâce à ce... À ce magnifique ouvrage qui nous parle de l'atterrissage du grand aigle. Non mais attends, c'est pas... Exactement, Maui, le dieu des hommes. Le demi-dieu d'ailleurs. Attendez, j'ai besoin de... Hop. Nanana... Mettez-vous donc en quête de cet objet magique. En fonction du texte indiqué sur votre livre... Oui, d'accord, j'ai compris. Tu t'es fait aider par l'IA super développé. Ouais, ouais, mon IA super développé. Yes. Ça s'appelle Sea of Thieves pour les noobs. Face à l'étoile polaire. L'étoile polaire fait référence au nord. Donc ça, c'est... Jusqu'à présent, ça, on était d'accord. Vous devez donc vous diriger vers Rum Runner Isle. Ah ouais, c'est ça que j'ai... Bon bah voilà. Contre, comment on aurait pu... Ça sera plus simple, hein, parce qu'on a rien compris sinon. Hein. Bon, on sait pas lire les étoiles. Attends, mais je suis... Au nord. Mais je vois pas le rapport, y a tout qui est marqué, genre... Y a tellement d'étoiles. Face... Attendez, parce que là, y a... Vous pensez vraiment que les étoiles nous indiquent... Ah... Bah, full nord, du coup. C'est juste la prochaine île. Nous, c'est sur le bateau. C'est ouais. Laquelle qui brille mieux, genre... C'est le nord. Putain, mais avec les nuages en plus, c'est vachement évident quoi. Celle qui brille le plus, c'est toi, Nao. Je vais pêcher. C'est juste l'île à tribord. Comment ça, c'est juste à côté? Ouais, tu peux aller checker sur la carte. Là, je vois une constellation d'un genre viteuf. Qu'est-ce que ça peut être comme constellation ça? Je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faut chercher sur cette île? Il va falloir bientôt drifter. Ah ouais, t'as besoin, là. C'est à côté. Ça, c'est le vieux sanglier, non? Je vous dis. Ça ressemble au vieux sanglier. Oh, ouais. C'est carrément le vieux sanglier ici. Là, va falloir. Attends. Maintenant. Hop. Allez, go! Voilà. J'ai quand même pas compris grand-chose à ce truc, hein. Bah, l'étoile polaire du On est arrivé? Ouais. Mais on a fait 2 mètres, genre. Non, laisse-la dans l'eau. Ok. Il y a des voiles. Sinon, va. Nous avons laissé à l'abri des regards. Ah, simple, face à l'étoile polaire, go au nord de l'île, c'est juste là. Ah. Il fallait vraiment se fier à la première page, quoi. Il n'y avait pas de. Moi, je suis désolé, j'ai pas fait bac S. Hein. Ah, écoute, là, je suis pas sûr que ce soit un avantage hein, d'avoir fait bac S dans cette situation. Hein. Je suis pas sûr. J'ai pas fait de science. Attendez, je prends ma pelle. Pardon. Excusez-moi, il y a vraiment un son bizarre. Du coup. Là, le nord. Il faut trouver avec. Il faut creuser où? Moi, je sais pas. Qui l'a trouvé? C'est pas moi. J'ai cru. C'est pas moi non plus parce que juste quand je donnais un coup de pelle. C'est qui l'a eu? Et ça c'est pas que ça. Je répare les internets, je trouve des coffres aussi. Mais t'as creusé où? Il est où? Ici. Il est là. Ah, mais sous la lanterne! Ah, ouais, c'est vraiment con quoi. Fallait vraiment. Tiens, je t'aide. Je te laisse creuser et récupérer. Proposition de nuit à la belle étoile pour un sub-goal. Ah, c'est dur de faire un stream à la belle étoile. Ah, ouais. C'est dur de stream les étoiles tout court, je pense. Non, mais il est vraiment intérêt profond, hein, genre. Électronique, mais ça doit coûter la race. Vas-y, je te laisse. Ah, la longue vue. Marquis. C'est tout. Incroyable.
Qu'est-ce qu'on voit avec les ressources. Quelque chose avec. Hop. Moi j'ai du cochon. Je suis en train de. Ah le cochon. Et très bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Bah on la ouais. suit. Attends, je vais. On va essayer. Elle de doit dessiner un truc, je pense. Il faut. Si tu l'as prise Nao ou pas? Ouais. Bah tout le monde l'a, je crois. Tu l'as dans... Oui, non, mais tu l'as mise dans les mains. Je l'ai dans les mains. Yep, dans les objets de quête. Ah, je dois regardez chercher les constellations. Les étoiles, elles brillent. Ah, ça, c'est la pieuvre, non? Trop stylé. Le kraken. Le Cthulhu-loulou, on a dit. Le Cthulhu-loulou. Yes, alors attendez, c'est quoi la première? Tu m'as fait peur. Quoi? Quoi? Un Tarkiras, il m'aggrave. Mais sauf que j'étais en train de regarder les étoiles. Et du coup, genre, j'ai vu. Non, mais attendez. J'ai vu un gros truc vert brillant pop parce que je suis arrivé derrière lui. Dites-moi oh, le. Horrible. Le bouquin là. Je pense qu'il faut que j'ouvre. Déjà, il faut que je trouve l'ours qui dort. L'ours qui dort. Ça doit être Ragnar, non? Oh non, les étoiles vont disparaître, genre. Mais non, les étoiles elles disparaissent jamais. David, avec ça, moi, j'ai ce problème. Les Shores of Gold ne brilleront jamais comme mes amis. Les Shores of Gold, c'est pas une île. Si tu restes, je sais pas si t'as vu, mais si tu restes sur la constellation, elle s'affiche correctement. Je le vrai dessin et tout. Même derrière les nuages, trop fort. Ouais. Ça c'est vraiment fort. Hein. Et du coup, par rapport au bouquin, est-ce que je dois trouver quelque chose de spécifique? Est-ce qu'il y a une fable qui parle d'une constellation particulière? Attends, ah, c'est pas l'ours? Bah, on dit que le grand aigle n'a jamais atterri. L'aigle. Quoi, hein? Ah, ça c'est la flèche. Chercher sur l'île du charmeur serait un bon début. Poisson éclat a mené les anciens vers de nouvelles terres, il m'emmènera aussi. Visage de pierre dans un tunnel sous les vagues, sur une île jamais cartographiée, quels sont tes secrets? Il est marqué, ça doit être Lonely Isle. Ouais. Et du coup, il doit falloir aller sur Lonely Isle pour ensuite. Mais il y a vraiment une constellation qui s'appelle l'aigle quelque chose? Bah oui, je crois, le vieux de l'autre île en avait parlé, il me semble. Attends, c'est page 6? Non, c'est pas page 6. Parce que page 6, il y a l'aigle fier. Ouais, l'aigle fier. C'est ça l'ours! J'ai l'ours! Faut que je trouve quoi d'autre? Faut trouver la meuf sirène! Faut trouver la reine des mers! La reine des mers? Parce qu'elle est sur la page. Après. Non, après l'atterrissage du grand aigle. Ouais, page 7. Oui, mais après. Allô? Oui, allô? J'ai le scarabée, j'ai tout sauf ça, genre... Tu sais, sur la page après l'atterrissage du grand aigle, il y a... Je l'avais tout à l'heure? Elle est là en dessin. Comment ça, je l'avais tout à l'heure? Du coup, c'est qu'il doit la falloir, je pense. C'était elle, alors? Ah oui, ça me dit quelque chose, Exa! La femme sirène... Elle était dans le coin, je crois. C'est compliqué, là, les étoiles commencent à se faire... Non, ça, c'était elle... Ah, allô? Ah. Non, c'est pas ça. Quoi? Les Tarkiras qui... Attends. Si je le fais... Mais il a dit allô, mais... C'est elle? Ah ouais, c'est elle. 1000% c'est elle. Du coup, ça veut dire qu'il faut aller dans cette direction, genre. C'est ça? Il faut aller vers elle? Est-ce que je peux l'ajouter? Non? Eh bien... Je ne sais ouais pas. Ouais? À mon avis, je pense qu'il faut aller vers là-bas, hein. 2 secondes, je te switch quand on m'aura répondu. C'est ce que c'est une fucking sirène. En fait, je pense qu'il faut aller sur Lonely Isle, puis regarder la sirène depuis là-bas. Ah, tu penses? Bah, c'est ce que je comprends en lisant le bouquin et il est pas très clair. Ok. En tout cas, c'était la sirène. Bah, je pense. En tout cas, écoute, je vais suivre ton call. Je vais re-switch Darkeras que nous avons perdu. Bah non, il est là. Ah, tu vois page 13 ou pas? Non, je suis là. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'as lu la page 13 ou pas, Nao? La page 13, c'est mignon, mais... Tu vois, t'as genre... Laissez-moi... Non. Danser? Ok, ça c'est toutes les constellations, d'accord, c'est ok. L'atterrissage du grand aigle. Donc c'est la sirène, ce doit être Lonely Ice. Ah, on dit que le grand aigle n'a jamais atterri. Celui qui en a été le témoin doit avoir fait une sacrée offrande. Donc on cherche une île... Donc là, ouais, je pense qu'on doit aller à Lonely Ice. Du coup, et par contre, on est d'accord que du coup, la constellation de la sirène, elle doit être à notre bâbord, quoi. Non. Ouais. Apparemment, on se canonne de là-bas à là-bas. Hein. Mais attends, mais une sculpture comme ça, gigantesque, on va forcément la voir de loin.
bien plus que l'OVNI Eyes, si tu vois ce que je veux dire. Sauf si c'est une statue. Tu penses que c'est en face? Si c'est une constellation. Quoi? Comment ça c'est une constellation? Bah si l'aigle, le grand aigle, c'est une constellation, bah c'est pas une statue du coup. Do you see what I mean? Non, c'est pas une constellation, là on te montre clairement la constellation de la sirène. Ouais, ouais mais... ouais. Bon, on va à l'Only Ice, déjà ce sera un bon début, allez. Je pense, et vous avez raison sur ce point. Youpi! De toute façon, ça doit être l'Only Ice. Ou alors c'est un truc enterré, genre une douille. Dans le bouquin, ça a tiqué de toute façon. Hop. On va déjà aller sur l'île du début, ensuite on cherchera la constellation. Mais vu comme c'est décidé, moi je comprends que c'est plutôt sur le côté et non pas de face. Mais Ah ouais, mon livre, il est waterproof. Une fois qu'on est là-bas, on cherche. Faut que j'aille de quel côté du coup? Vers quel. Derrière à bâbord. Non, je veux des coordonnées boussoliques. Nord-ouest. C'est G8 et non, c'est... Alors n'hésitez pas à relever l'ancre, baisser les voiles, c'est afin fait. Que nous ayons un peu de voilure, un peu de vent, pour avancer. Nord-ouest, merci. Nord-ouest, c'est ça? Ouais, nord-ouest. Merci Axurix. Nord-ouest, c'est parti. Allez. Allez, on démarre. C'est laborieux, mais on est parti. Oh. Le bateau qui agonise. Ah bah là c'est d'une douceur hein. Le vent climat. Il est de face. Mais merde. Du coup je mets pas les voiles correctement pour qu'on puisse faire un meilleur demi-tour. Est-ce que j'ai un truc en face ou pas? Rien parce du tout. En tournant j'ai vu un petit truc mais j'attends de le passer pour me remettre bien. Ok. Bah sinon on te fait faire un demi-tour hein, total. Mais non, parce on va là, au nord-ouest. Bon ouais. Du coup full derrière nous. Ah oui, d'accord. Et du coup, effectivement, tu tournes, il y a de la marge. Tu tournes full dans un sens et on jette l'ancre. Ah, tu peux, ouais, si tu veux. Hop. Et maintenant, on a. Technique de drift. C'est pas suffisant encore, hein. C'est vraiment tout de l'autre côté. Hein. Vous allez chercher le One Piece comme Arya Stark Exa. Mmh. C'est exactement ce qu'on va faire. Moi, je pense que Arya Stark, elle est partie jouer à Sea of Thieves. Hein. tu parles de... Elle est partie découvrir les Amériques. Pardon. Elle a rencontré le Cthulhu. Hop, dans le bon sens. C'est pas ça la commande. Wouah, c'est beau. Maintenant il y a prescription, genre tu l'as pas vu là, je sais pas comment t'es passé à côté de tous les trucs. Je vois pas s'il y a quelque chose en face, alors n'hésitez pas à me dire. Il y a des rochers, ouais, fais gaffe. Ah, il y a des rochers. De quel côté je dois éviter? Il y a une île surtout. Quel côté j'ai. Tourne à tribord. Attends, pas trop. Oh là, putain, ouais. Ah bah, j'ai tourné à balle. Je peux pas tourner moins, genre. Ah oui, on était vraiment sur l'île, genre. Eh, hey, ça ressemble à l'île du cul. C'est pas l'île du cul? Je m'en souviens, il y avait rien dessus. Ça manque de sirène. Ah bon, on est reparti du coup. Ouais, du coup, non mais il y avait une île, c'était l'île du... Attends, comment ça s'appelait? Attends, je vais te le dire. C'était Bottom Island. Ah, Bottom Island. Ah oui, ouais, c'était l'île du cul, c'était ça. L'île du cul. Par contre, Shipman. Oui. Viens voir la carte, ça me rend fou. Pourquoi? Ah ouais, le trajectoire. Putain, on va se slalomer jusqu'à là-bas. C'est là. Attends, mais vous me faites peur là! On va bientôt dessiner une. Comment dire? Une verge! C'est pas vrai, je vais voir! Quelqu'un prend la barre, s'il vous plaît! Mais la barre, tu peux la lâcher, hein, t'es pas obligé de rester. Oui, mais là, le bateau il va pas aller droit si je la lâche! Mais si! Si elle tourne, non! Attendez, faudrait quelqu'un à la vie. Ah bah non, faut qu'elle arrive. Hop là, là je peux lâcher! Wouh! Attendez, je vais aller voir la trajectoire du bateau! C'est une trajectoire full bourrée. Oh. Oh. Faut vraiment un esprit d'imagination, hein, parce que là... Non mais c'est vraiment fou. Si votre verge elle ressemble à quelle... à ça, les gars, je me poserai des questions, genre vraiment. Hein, genre... On dirait une clé à molette. Non, attends, on dirait une clé à molette. Un peu, avec l'imagination. Non mais oui, on abuse, mais par contre... En fait, on vient d'apprendre des trucs, genre les leurs, elles sont pas normales, hein, genre, vraiment, elles ont une forme de... Elles ont une forme de clé à molette, hein.
Bonjour. Une clé à pipe. Oui, mais en fait, Shiman le bricoleur, c'est... Une clé à pipe. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à un penny? Pas du blague tout. Blague de bof. Capitaine, on se dirige vers des rochers. Ouais, mais le capitaine, il est mort, capitaine, là. Capitaine, il est pas dans la barre, là. Ouais, je suis mort de rire, Putain, mais on va full nord-est, on va n'importe où. Rendez-moi la barre. Je peux pas. Dark Eras a pris les commandes. C'est moi qui commande, allez, pousse-toi. Oui, capitaine. Voilà. Pourquoi c'est l'eau est toute dégueulasse d'un coup? Dark Eras, retourne-toi. What? Adieu. Qu'est-ce qu'il y fait? Un homme à la mer! Je crois qu'on va sur une île là. Non, mais je crois qu'on va surtout pas dans le bon sens pour faire demi-tour encore. Mais non, mais vous m'avez dit nord-ouest, décidez-vous. Et bah oui, mais nord-est. Mais bah ouais, c'était pas moi qui pilotais, donc s'il te plaît. Ah oui, oh là, en fait on était à côté. Ouais, allez, tourne full à gauche. On était à côté et maintenant on est loin. Tourne full à gauche. Full d'accord. Full ouest. On fait drifter. Ouais. Non, mais si vous me donnez pas les bonnes indications aussi, genre. Arrête de faire ça, c'est pire. Mais putain, tu me mets à l'envers. On va finir à minuit, hein, pire que la semaine dernière. J'en fais plus. Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, juste le Cthulhu et ça. Oh là là, on est sud-ouest maintenant. On est vraiment... Oh là là, mais il est insupportable. Moi je dis, il manque plus que Kraken et on est bien, quoi. Allez, feu. Oh là 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 là. Des gosses, je te Tribord, jure. Tribord, capitaine. J'en fais plus de vous. Plein ouest. C'est ça qui dit, j'ai bien fait de pas venir. Bah oui, tu m'étonnes. Oh, il doit se gosser là sur son petit sloop. Voilà. Regarde, le vent il est sous ma gueule, le vent. Il est déjà. Dark Eras, tu es sur ma fucking boussole. Oh, merci. je vois pas où je vais. Allez, full. J'ai trop envie de rire. Ce live, c'est une catastrophe depuis le début de la soirée, genre vraiment, hein. t'es pas aidé, hein. Personne à la vigie. C'est incroyable. Ah bon, on est, c'est tout droit. Bon, c'est tout droit, dites-moi quand on arrive. Hein. What? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On dit pas des what et on dit rien derrière, ouais. Genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô? What the fuck? Mais quoi? Allô? Allô? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? What? Il nous entend. Allô? Mais il fait exprès. J'en peux plus de vous. Mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Quel est le problème d'Arc Eras? Là, on se dirige vers une île à gauche. Non, c'est bien, on est bien. C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ok. Donc, c'est peut-être un peu plus à tribord. Non, oui, je retourne vers le nord-ouest. Non, c'est à pas. Ouais. Non, c'est. Ah, c'est full ouest. Je vois une île. Ok. C'est... Full ouest. Ah, c'est full ouest. Bon, on est bien alors. On reste comme ouais, ça. On est bien. Ah non, mais les gens ils sont partis aller se bourrer la gueule, non? C'est ça pas. Non, pas moi. Mais c'est la prochaine là. Ah, mais c'est non, ça qu'il faisait Dark Eras. Ça se trouve, il est en train de picoler dans la soute et personne n'empêche. Bah, je vais aller voir. Où est-ce qu'il est? Non, mais il a FK là, hein. Il est plus là. Mais qu'est-ce on l'a perdu. Attends, parce qu'il est pas. Il est pas dans la. Bah, je pense qu'on l'a perdu. Hein. Y a de l'eau dans la cale, c'est normal. Et il est pas dans l'équipage, je crois. Ouais, mais oui, je pense qu'il a. Attends. Ouais, l'eau dans la cale, c'est parce qu'il a plus. J'ai plus de son sur Discord. Ah, il est aussi plus sur Discord. Heureusement que j'ai. Bah, une bonne recrue d'Arc Eras, du coup. Eh, dis donc, on se repasse sur le même fournisseur de fibres. Par hasard. Bon, par contre, je suis un peu loin pour aller dépanner les gens là. Alors, non, l'eau c'est dans la cale, c'est absolument pas normal. C'est tout droit. Ouais. Bah, je suis tout droit. Bah. Un peu plus à droite. Genre. Genre à peine. Je comprends mieux le what en fait. Dark Eras, c'est simple, s'il fait le son mieux, tu sais. Mais non, mais attends, Attends. Bah là, il est sur Discord pour moi. Non, il y a un salon d'attente. Attends. Hop. Voilà. Allô. 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 Oui. Oui, capitaine. Ah oh, putain, elle est trop belle. Ou alors, c'était quoi le truc what the fuck? C'est juste parce que tu perdais la connexion petit à petit. C'est cette île là, hein. C'est ça, je crois. Lonisa, c'est... Bah, elle est où? Je la vois pas.
Juste là, à droite. Ok, mais c'est tout petit. C'est une de merde. Oula. C'est vraiment. Relevez les voiles, larguez l'ancre, tout ça, tout ça. Tout... Enfin, vous connaissez quoi. Youpi. Alors. Je vais sur l'île. Ouais, on dit le capitaine doit rester sur le bateau, blablabla. Et c'est super loin, genre, on s'est garé super loin, genre, vraiment. Youhou. S'il y a un requin, voilà, voilà quoi. Et je m'occupe des voiles. En fait, y'a personne. Attends. Ah ouais, vous êtes tous partis et vous me laissez remonter les voiles. Tu te débrouilles. Mais y'a besoin de remonter les voiles vu qu'on a l'ancre. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Alors moi, je t'avoue que j'ai plus confiance. Ah bah j'ai du mal à tuer les serpents pour avoir les squelettes. Ok. Ok. Et donc là maintenant, pour alors, la longue vue. Je prends ma longue vue. On cherche la sirène. Et je cherche la sirène. Oh, attends. J'ai un aigle là. Où ça? Juste en face. Oh, capitaine, je vois une lifebox dans... dans les airs, non, c'est pas drôle. Aïe, aïe, aïe. Mais du coup, est-ce que ce serait pas El Famoussou aigle qu'on cherche? Mais non, c'est une statue. Bah oui, mais tu me disais... Ah bah, ouais, mais tu m'écoutes pas. Oui, mais ouais, alors pourquoi il y a le dessin de la sirène sur le bouquin? Parce que c'est une constellation aussi, la sirène. Oui, mais quel est l'intérêt de la mettre si on cherche un aigle? Bah, c'est pour faire une triangulation. Je le pense. Le aigle n'a jamais atterri, celui qui en était le témoin doit avoir fait une sacrée offrande. Tu le vois où l'aigle? Non. Attends, je sais plus où il était, je sais plus. Que ressemble à un bonhomme avec une... Okay. Non, c'est le touloulouloulou. Je le trouve plus, il était là il y a deux secondes. Ça c'est la tortue. J'ai pas bougé. Ah, peut-être que tu l'as déverrouillé. Peut-être que tu l'as fait proc sur quelque chose. Ah bon, mais non, je pense pas. Non. Et il est là. Il est juste là, genre. En plus, il fait. C'est quoi? Ah ouais, l'aigle. Non. La sirène était la direction à suivre. Bah alors, pourquoi l'aigle? C'est peut-être sur l'île, l'aigle, non? Je sais pas. Une ah oui, il fait. Si on va vers là-bas, genre. Ah, merci. Je fais vachement peut-être des rêves, hein. Ah, salut. Peut-être que du coup... Faut se canonner là-bas. Tu crois? Bah, le livre dit ça, non? Merde. Oh, merde. Bah, on va con. Prendre le bateau. C'est con de laisser le bateau ici, genre, ça sera super loin. Non, bien sûr, mais faut aller... Du coup, si on suit ce truc... La sirène... Poisonnée, merde. Devrait être par là. L'ours. Que c'est ça? Ça c'est la flèche. Ça c'est le requin. Qu'est-ce que c'est cette chose? Ouais, le requin. Mince. Non, c'est trop bizarre, genre. Si c'est dos complètement à nous alors? Genre on part de... Non, c'est un crabe. Ah! C'est elle, je crois! Ah ouais. Non, c'est pas elle. J'ai rien dit. C'est quoi ça? What the fuck? La flèche. Si on dit que c'est une trajectoire entre l'aigle et la sirène. Ouais, du coup, ça doit être à gauche. Tu veux regarder. Attends, mais what the fuck? Parce que la sirène. C'est l'ours? Attends, je vais arriver là-bas. Bientôt. La sirène menait jusqu'à l'île où tu es maintenant, non? Ah bon, tu crois? Ouais, mais ils auraient pas dit que c'était... C'est serpent. Il fait nuit. Au-dessus de nous, genre, on est dans... C'est vrai, vachement bizarre. Il va faire tout noir. Ta gueule. J'ai pas. Non, c'est le crabi. Crabi, crabos. Attends, je trouve pas la sirène. Mais peut-être que comme on est sur cette île, on peut pas voir la sirène, genre. Attends, je vais. Ce serait bizarre. Je vais faire appel à mon IA spécial. Merde. Enfin, je veux pas une horloge, moi. Écoutez, l'aigle est tente ici. Moi, je propose d'aller là-bas. Lunes. Je l'avais. Ah ouais.
c'est un Scarabos. C'est compliqué, hein. J'ai fait toutes les constellations, là. C'est un poisson. J'ai le requin. Bon. Ah. Non, c'est ah, j'ai la madame. À chaque fois, je confonds. Oh, orange. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Merci, Arizona, je te reconnais. Je t'aime, petite colombe. Moi aussi, je t'aime. Ah. C'est la madame sirène, ça? Non. Ah, oh, c'est marrant parce que je pense que c'est la sirène, mais elle s'allume pas, genre. Ah ouais? Si, elle s'allumait, ça y est. Alors, j'ai la sirène. Nice. Attends, du coup. Donc, la sirène, elle est là. Mince. Et si on va de là... Attends, c'est chaud. Attends, t'es où? Comment on peut le faire? Elle est là. Si on va de là à... Où est l'aigle? J'ai eu le Cthulhu, la sirène. Je trouve plus l'aigle, mais non. Ça y est, j'ai perdu mon aigle. Ça, c'est l'aigle. Mais non, c'est pas l'aigle, ça... C'est... Une épée, une plume, que sais-je. Oh putain. Un cap, une péninsule. Oh putain, c'est insupportable. Attends, c'est ça. Pas du tout. Oh là là. Ah super, j'ai fait sauter la cam. Ah bon, sinon, bah décidez-vous, hein, moi je sais pas. Attendez, on s'était vers le. Moi j'ai tout trouvé, maintenant ça me dit pas où on doit aller. Moi je pense qu'il faut aller au truc de l'aigle. Hein. Donc on est au nord. La sirène d'ici elle est au nord. Non, enfin. Bah, moi je vois boussole bah, nord. Moi elle était à mon est, mais maintenant te dire où je suis, je sais pas, donc je sais pas où est le nord. Ah, attends, je check une hypothèse. Après, j'aurais pu regarder sur ma boussole, il est vrai. Mais okay, je dois me remettre en couleur, alors je peux pas tout faire. Je m'en occupe, attends, attends. Colorimétrie. Non, mais là c'est la nuit, c'est RP en vrai. Je suis dans le noir. Alors, le. Au nord, au nord, au nord. Au nord d'où on est. Ok. Du coup. Après mon IA. Ok. Ah nord, ok. De Lonely Ice, suivez la constellation de la sirène. C'est bien ça. Pour arriver à Lone Cove. Et c'est seulement une fois qu'on sera là-bas. Que on pourra utiliser la constellation de l'aigle. Ok. Donc, d'abord sirène, ensuite. Qu'est-ce qu'ils font? D'abord la sirène et ensuite l'aigle. Faut d'abord suivre la sirène, c'est exact. Y'a pas une cloche ici? Si, une cloche là-haut. Attends, on veut aller trop vite, on veut être trop efficace. Il y avait une cloche là? Lone Cove, Lone Cove, Lone Cove. C'est face ou dos à l'étoile polaire? Alors, face à l'étoile polaire. Ah bah, c'est juste là au nord, genre. C'est Rum Runner Isles, c'est ça? Voilà. Merde. Y'a personne. Non, y'a. Ah si, y'a encore quelqu'un sur l'île. Qui donc? Bah, du coup, la plus, hein. Une Dark Eras. A l'aide? Non? Sinon, ah bah, tu prendras la sirène. Ah bah, nous on a pris l'île. Hein? Ah, allô? Sortez les planches. Ouais. Écopé. Je vais... Ah, on a cogné. Un peu. Ah, bah capitaine, c'est réparé. Excusez-moi. Non, c'est pas réparé là. Il faut d'abord mettre les planches avant d'écoper. Quoi que ce soit. L'eau est bizarre là, non? Elle est noire. Ah, j'ai pas de planche. Bah, elle est noire, c'est la nuit, mais elle fait surtout des petites vagues de chevaux là. Oh là là. Ouais, la mer est un peu agitée, je trouve. C'est signe du kraken. Mais non, arrête, j'aime pas quand ça fait ça. Quand est-ce que... En plus, le kraken n'existe pas, rappelons-le, c'est un Cthulhu. C'est l'on top ça, du coup, on est là, c'est juste en face, non? C'est celle-là? Allô? Je check, oui. Oui, c'est celle-là, c'est juste en face. Raxorus. Ouais. Tiens-toi prêt pour le largage de l'ancre. Feu. Non, attends, on est un peu loin là.
Il y a un autre bateau. Il y a un, ouais, y a un autre bateau. Dessus. C'est un petit bateau. C'est Amtaro. Attends, je lui mets friendly. Si tu veux pas friendly, on l'encule. Allô. Je me tourne comme ça, on a les trucs. Yes. On a les canons d'ores et déjà préparés. Merde, non, non. Bon, il a l'air d'être sympa et de pas venir vers nous. En même temps, oui, t'as raison. À tout moment, il peut. Bon, hop, moi je vais sur, sur l'île, du coup je suis plus du tout à bord, donc s'il y a un problème. Tu passes par le canon ? Non. D'accord. Je vais d'abord sur l'île, et une fois sur l'île, je. Mais c'est vrai que j'aurais pu me canonner. Ah putain, je. Ah, oh, vous m'avez donné envie. Tu viens de me dire non, hein ? Ouais, je sais, je sais. Maintenant, il faut retrouver l'aigle. Alors. Un panier à serpent. Ça, c'était ça. Donc, c'était de l'autre côté. Il y a des trucs là. C'était. C'était derrière ce palmier, je pense. Ah putain de. Ah. Ah, je l'ai. Alors c'est ce petit truc là-bas. What the fuck? Attendez. Apparemment. Ah, il faut poser les. Poser l'aigle. What the fuck, mais comment on va faire ça? Avec ça! Ah oh ouais, d'accord, j'ai tout compris. Enfin non, c'est chaud, mais comment... Il va falloir m'expliquer. Ok, tu dis Nao. Ah oui, parce que d'accord. Allô? Là, t'es posé, non? Je l'ai pas, attends. Faut que plus bas. Là, c'est le palmier qui me casse les. Il est pas posé là? Bah, je pose l'aigle sur le rocher, bah, ça me semble évident. Bah, la constellation a disparu. LOL! Faut peut-être que je saute là-dessus, genre. Parce que si je suis là, j'ai pas la constellation du tout, genre. Si je suis là, je suis un peu haute. C'est pas ça qu'il faut faire ? Si, bah, je sais pas, mais ça paraît être une vachement bonne idée quand même. C'est marrant, si on est comme ça, on le voit absolument pas. Il faut vraiment être de ce côté-là. Mais il faut peut-être la voir. Oh, t'es posé là ! T'es nickel ! Allez, atterris ! Devrait-il apparaître sur le rocher? C'est ça que je. Le kraken là. Peut-être attendre qu'il fasse nuit? Bon. Je sais pas. Ah, c'est bon. En maintenant et en bougeant. Ouf. Non, non, non. En bougeant, ça. Ta gueule! En fait, moi, je l'ai là. D'où je suis. Oui, non, mais c'est bien de l'avoir. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que. Est-ce que tu vois une différence? C'est vrai que le rocher bouge, non, c'est Nao qui bouge. Sinon. Ah, là il est à côté, j'ai pas bien visé. Parce que peut-être que. Ah! Ah! Ah, en fait c'était à nos pieds, en fait il suffisait de creuser là où on était, genre. Ah ouais, je pouvais attendre qu'il se pose, moi j'attendais qu'il se pose sur le rocher, genre, moi je voulais du. Bon, d'accord. Et ce qui est beau, c'est non, que. Mais... Sans IA à assister, là. Salut à tous. Mais non, mais tu sais, j'ai joué récemment à Rime. D'ailleurs, on m'a dit que ça se disait Rime. Et tu sais, il fallait mettre les trucs sur les plots comme ça, par voix de moi, présidente, ah, oui. Sur mon pupitre. Souvenez-vous. Et du coup, je pensais qu'il fallait faire un peu pareil. Là, je sais pas pourquoi. Genre, j'étais en mode, il faut faire apparaître l'aigle sur le rocher. Bon, ceci étant, c'était pas tout à fait con. Ah, il y a monsieur là. Vous avez pris des ressources ou pas? Non. Ouais. On s'en fout des ressources. Ah ouais, t'as on les prendra un jour. Ah. Y'avait une logique, hein. Y'avait une logique.
Nous allons mettre ce petit rubis délicieusement au chaud de notre soute. Sous ton oreiller. Oh ouais, je vais mettre dans ma cabine. Personne ne le cherchera là, c'est sûr. Oh, regardez comme c'est beau, je dors, c'est mon doudou. Il y a un navire en face. On lui fonce dessus. C'est quoi son problème? Il est où? Il est en face du bateau. C'est le même que tout à l'heure, c'est le petit truc. On s'en fout. Bon alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Le livre. Après, l'homme qui avait perdu sa pierre. Du coup, on a retrouvé ses... Ah bah justement, on a retrouvé sa pierre, c'est formidable. On a retrouvé ses bijoux de famille. Voici le chant des anciens sur un homme qui avait une pierre précieuse. Quand je l'ai chanté à la capitaine, elle m'a dit qu'elle avait cherché le trésor des anciens, mais qu'elle avait cassé sa longue vue. Pas de chance, le trône du poisson éclat. S'agit-il d'un vieux monument dédié aux poissons sur Discovery Ridge? Sur la grande île, au trône du poisson éclat, l'homme s'éveille dans sa pierre. Il part la retrouver, redoutant le jour suivant. Un monument aux poissons? Il faut qu'on trouve le poisson dans les... L'homme a eu une perchoir de l'oiseau. Bah, c'est là où on est. Espérant son aide dans la quête, le fier n'a pas la pierre. L'homme navigue vers le perchoir de l'oiseau fier. Espérant son aide dans sa quête, le fier n'a pas la pierre. Un autre homme, l'homme suit la tortue. Attends, je pense que déjà il faut partir de Discovery Ridge, on est d'accord. Bah, je sais pas, peut-être constater. Bah, je sais pas, regarde le dessin. Sur le dessin, il y a genre une île. Constellation de la tortue. Poisson. Une autre île. Mais les dessins, ils indiquent des positions, des directions. Mais le dessin, c'est pas le. Moi, ce que je comprends d'après. Non, mais ça, c'est une histoire insaisissable, c'est l'autre truc, c'est le troisième, non? Attends, parce que là, on doit avoir un autre rubis parce qu'en fait, on doit chercher les deux rubis, c'est les yeux du Shootbreaker. Ah oui, oui, d'accord. T'es déjà à l'étape après. Donc non, moi, je pense que pour suivre cette voie, il faut d'abord aller sur Discovery Ridge et à partir de Discovery Ridge, il faut naviguer vers le perchoir de l'oiseau fier et puis. Ok. Il parle à retrouver. Ah oui, du coup, Discovery Ridge, l'homme navigue vers le perchoir. Ouais, mais attends, l'homme navigue vers le perchoir de l'oiseau fier. Oui, non, mais ça, c'est il prendra le. C'est pas nous, du coup. Ah ouais. Et du coup, espérant son aide dans sa quête, le fier n'a pas la pierre. Un autre mettra l'homme sur la voie. Il dit, ah, donc pourquoi ne pas aller directement vers la tortue? Ouais. Attends, sinon, au pire. Pour moi, je l'avais compris ça. Du coup, je pense que c'est ça, mais. Y a une île de la tortue? Oui, il y a une constellation de la tortue, et du coup, à partir de là où on est, faut suivre la constellation de la tortue. Oui, mais à partir de Discovery Ridge, et à partir de Discovery Ridge, seulement tu peux suivre le perchoir de l'oiseau qui pourra te dire où est le truc par rapport à la constellation de la tortue, non? Je sais pas. J'ai comme un doute. Comment tu veux savoir? Attends, je vais partir de. Je vais vérifier une hypothèse. Discovery Ridge. Hein? Discovery Ridge. Je me pose. Ça. Discovery Ridge. Et au sud. C'est un truc rond avec plein de d'îles dedans. C'est bon. Alors, oups, là, j'ai mal visé. Alors, Discovery Ridge. Ensuite. Nanana, le perchoir de l'oiseau. La constellation de l'oiseau, c'est où par rapport à nous, genre? C'est... Attends, je l'ai là. On est dans la direction, je pense. C'est ah, mais ça se trouve, c'est l'aigle, comme c'est nord-ouest. Full nord-ouest. Nord-ouest? Ouais, full nord-ouest. Mermaid Hideaway? C'est l'île de... C'est pas du tout l'île de la tortue, c'est l'île des sirènes. Attends, le trône... Y'a pas d'île de tortue? Mais non, y'a une constellation de la tortue. Et la constellation de la tortue, elle est où par rapport à... Bah, je la cherche, là. Quoi qu'ils disent sur la grande île. Non mais peut-être il n'y a pas de rapport. Je pense qu'on s'en fout de Discovery Ridge. C'est juste pour dire qu'en fait c'est là où devait être la pierre. Mais non, c'est le point de départ. Donc ça nous aide à savoir où est l'arrivée. Parce que attends. 2 minutes. Je peux regarder la carte de 2 secondes? Ah, allez, je regarde le truc moi. Attends. Parce
que nous on est où? Non. Discovery Ridge, donc c'est tout en bas, vers le perchoir de l'oiseau fier. Navigue vers le perchoir de l'oiseau fier. Perchoir de l'oiseau fier. Allô? Il y a un redéco. Je pense que Discovery Ridge, c'est le point de départ, ça c'est sûr. Sur la grande île de Discovery Ridge, du coup, l'homme s'éveille sans sa pierre, il part la retrouver, redoutant le jour suivant. Il navigue vers le perchoir de l'oiseau fier, espérant son aide dans sa quête, donc on va dire qu'il va jusqu'au nord. Ah, mais c'est là où on est sur le truc de l'aigle, là. Oui, c'est ce que je disais, du coup. Ah ouais, mais attends. C'est bon, j'ai la tortue! Je l'ai enfin trouvée. Et la tortue, elle est où? La tortue, elle est... Nord-nord-ouest. Non, mais attends. Pile entre les deux. Re. Parce que du coup, re. Non, mais du coup. Ah, oh, parce qu'on est loin quand même. Wow. Bah oui, mais. Mais d'après l'IA avancée. Salut Raquel, si tu suis les constellations sans être au point de départ, tu ne vas pas aller loin. Ouais, bah du coup, c'est ça. Mais c'est une bonne idée déjà de se dire vers quelle direction à presser, tu vois. Bah du coup, Discovery Ridge. Ouais. Allez, on part à Discovery Ridge. Ouais. Mais de là, qu'est-ce que ça veut dire le perchoir de l'oiseau truc? Bah du coup, constellation de l'aigle, finalement. Bon, on verra bien. Bon, on part à Discovery Ridge, ce que vous vouliez pas en fait, faire depuis le début. Bah non, mais... Pas forcément. Oh là là, mais il pleut ici. Qu'est-ce que c'est que ce climat de merde? C'est trop RP. On n'est pas dans les Caraïbes ou quoi? Mince alors. Vous pouvez lever l'ancre et baisser les voiles? Tout le sud, ouais. Pour l'instant. What the fuck, capitaine. Qu'est-ce qui se passe là? Putain merde. Pourquoi le bateau tourne comme ça? Parce que le... C'était pas... La barre était pas droite. Mais non, c'est mais c'est surtout que ma boussole est folle quoi. On est dans la tempête. C'est le Kraken. Ah non mais je sais pas où il faut aller du coup, j'ai pas de... Attention, on va se prendre des cailloux là. Je sais pas où est le sud. J'ai une boussole. Full babord. Je suis full babord. C'est bon, ça passe. Ouais. Non mais je... Le sud. Ah bah là on va plein nord hein. Ah mais du coup faire demi-tour. Quel? Oui. Mais c'est pas moi qui conduis. Puis ça c'est assez loin le... Attendez mais j'ai bu. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe là? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Tu es maudite. Non mais faut que tu peux faire... Non, qu'est-ce que tu fais? Attends, je regarde ton tweet. Ah la fourre. Bah oui, normal, ça mais vous m'avez donné un truc à boire ou... Mais non. On va aller full sud. Non, la boussole, elle tourne parce que avec la foudre, ça... Faut virer à bas bord. Oh putain, comment ouais, ça tangue. Oh là. Ça y est, j'ai vomi trois fois, là. Oh, non, Dieu, accrochez-vous. Dites-moi si on est au sud. Attends. Non, on est ouest, là. Continue. Oh là là. Ouais, continue. Attends, là, ça va être bon, je pense. Attention, bon. Ça va répéter. Bon. Stop. Donc là, je me mets droite. Ouais. C'est ça. Enfin, si j'arrive, quoi. On a le vent, il va où, là? Je sais pas, mais là, on est face au vent. Oh mon Dieu. Quel climat. On prend l'eau. Tiens bon, l'eau. Oh les éléments, c'est déjà arrive pas. Le bateau va décoller. Bretagne Simulator. Oh, c'est trop dur de tenir la barre au milieu, genre. Ah, oh, c'est dur. Mais attends là. Attendez. Je résiste. Ouais, ok. On va y couper. Je suis une pilote. On le fait, on va sortir de cette tempête. Personne ne va mourir, d'accord? Oh okay. Dieu de la foudre, calme-toi. Ah, ah non, il veut pas. On va plus avoir internet, ce mec. On a jamais eu une tempête comme ça là. Vous devez remonter les voiles pour pas qu'elle casse et qu'elle ne te cache pas la vue. Merci Mitsukui. Peut-être il faut remonter les voiles du coup. Attends, je vais juste remonter. Mais si on remonte les voiles, on n'avance plus. Oui, on peut jamais sortir de cette tempête. On les remonte à moitié quoi. Le dieu de la tempête, c'est tort, on est bien... Ah. On se prend la foudre après qu'elle tombe sur la livebox, mais non, elle tombe sur le bateau, bah, super. Oh, c'est vraiment une bonne soirée. Il y a la voile arrière qui est relevée entièrement, pourquoi? Oh. Mais on se fait tirer dessus ou comment ça se passe? Non, c'est les vagues. C'est les vagues en face.
Oh, j'ai l'île en face. J'avance plus. Tribord, tribord. Attends, j'ai descendu. Fait qu'on avance pas, on est en haut d'une vague, genre. On descend pas. Putain. J'ai l'impression d'être dans le grand 8 là. Peut-être j'ai besoin d'une petite SOS, je vais les warning. Attendez, le bateau est en train de casser là. Ouais, oui. Ouais. Mais non, il tourne tout seul. Oh non, non, mais oh là là, on va devoir négocier le. Oh, ça me donne la gerbe de ouf. Putain, c'est pas ce bordel, attends. J'arrive pas à avancer. Mais attends, parce que là. Attends, non, je prends le full gauche, je prends le full gauche. Full gauche, ouais, full gauche. Attention, le coup. C'est pas vrai. Il y a un navire derrière nous. Oh, mais il est en galère aussi, lui, non? C'est drôle voilà. D'être en galère pour un navire. J'avoue. Soyons optimistes, voyons. Je crois qu'on s'en est sorti, baissez les voiles. Merde. Attends, c'est vrai que je peux me prendre. Non, il faut qu'on sorte de là. Alors réparer, sortez les planches. C'est bon, tout est réparé. Oui, capitaine. Il droit devant. Tribord un peu léger. C'est bon. Ah. Ça va mieux. Merde. Bon, on va où maintenant là? Parce que... Bah, je sais pas. C'est où qu'on va aller? Ça, on est sorti. À Discovery Ridge. J'ai essayé de maintenir le cap, mais aucune idée de où on est, honnêtement. Hein, genre. Normalement, la boussole est full possédée. Hein. Oh, on n'est pas du tout dans le bon sens là. Il faut aller où? Vous ne me dites pas qu'il faut retourner dans la tempête, genre. Non, sud, c'est bon, j'ai bon un tribord, je pense. Attendez, il est où Discovery? Un peu plus au sud. Il est tout au sud, Discovery. Ah, ah oui, d'accord. Attends, du coup, sud-ouest. Ah, oui. Sud-ouest? Ah, sud-ouest. Ouais. Ok. Oh, salut, ta Z. Alors, tout va bien, j'espère que la tempête va pas nous rattraper, genre. Ça me paraît bizarre qu'il fallait y aller aussi loin. Ah, attends. Oui, non, mais c'est normal. D'accord. Sud-ouest, carrément. Comment t'as une île? Mais pourquoi on avance vers des que îles. Dalle, là. C'est le vent. Par contre, fais gaffe parce que tu te diriges vers des îles, je crois. Bah, attends, j'essaye d'avancer, genre. Putain, merde, faut tourner les voiles dans l'autre sens. Allô? Oui? Moi, je t'entends. Axorus, c'est AFK, non? On a perdu Raxorus? Ouais, j'ai l'impression. Attendez, j'ai regardé sur. Enfin, il est toujours avec nous sur Discord. Hein. Après, je sais pas. On l'a peut-être perdu, il est peut-être tombé dans l'eau. Hein. Il est en erreur 404. Ah, oh, c'est pas vrai, regardez les lives, ça donne mal au ventre. Oh là là. Mais merde, attends, le vent, mais ce vent de c'est mort. C'est juste la nuit, rassurez-moi. Je vois pas s'il y a une île en face, hein, dites-moi. Hein. Allez, attends. Oh, il y a une île en face, tribord. C'est trop tard. Attends, tribord. Putain, on a failli. Ouf, putain, heureusement, j'ai J'entends demandé. Des bruits de déco reco là. Prépare-toi à faire du bâbord. Il y a un truc qui clignote là, ça donne envie. Merde, le capitaine est AFK aussi. Mais non, je suis là, qu'est-ce que tu racontes? Mais y'a personne d'AFK hein. Non, mais c'est ce que. Bah attends, t'as perdu Raxorus. De quoi? On te parlait et tu répondais pas, excuse-nous hein, genre. Babord. Ah bah c'est si hein. Non, mais j'ai faim, je suis en train. Ah, il est en train de manger. Ah, je suis en train de faire cuire des cordons bleus. Ah, mais pas. Il était AFK cuisine. Je me suis dit, ça passe voir. Ah, et... là, c'est bon, allez là, je pilote sans les mains là. Contre le vent. Je peux. Pas aller plus vite, hein. Hey, mais vous êtes team cordon bleu ce soir. Ah ouais. Pareil, ah bah ouais. T'es pas le seul. En effet. Y a un rocher là, c'est normal. Oh, il est loin, t'inquiète. Ok. Non, bah s'il est loin, ça va. Oh, purée, mais. Bon, fuck. Putain, mais qu'est-ce qu'on avance pas, quoi. Par contre, vraiment là. On se traîne, hein. Mais les voiles, elles sont dans tous les sens. Et je grince. Mais y'a une voile, elle est même pas dépliée, genre. Il y a trois mâts, je suis le seul à gérer les voiles. C'est un fameux trois mâts. Fin comme un oiseau, Iseo, Siciliano, 18 de 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le.
Mais attends, le vent, je le déteste. Quand je tourne le mât, le vent change de direction. Genre, ouais, mais pas drôle, hein. Voilà, je laisse chanter, ça. Là. J'étais à fond. Et Ragnar, il est en train de train Trackmania en attendant? Non, il est sur Hearthstone. Ah, il s'entraîne pas du tout sur Trackmania, genre. T'es quoi, ouais, alors. T'étais combien pour demain, hein, ça? C'est tout grand que c'est demain, va. Quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est cool, tu pourras must pour le deuxième tour. Ah, yes. Allez, on fait ça. Allez. Préviens, Nao, s'il te plaît, mais préviens pourquoi? T'aimais pas ma chanson. Tu chantes bien, mais mes oreilles tiennent pas le coup. Mais what the fuck, alors ça veut dire que je chante mal, hein? Y'a pas, c'est pas tout noir ou tout blanc, genre, y'a pas... Est-ce que je suis prêt pour demain? Bah attends, c'est à quelle heure les qualifs? C'est à 14h? 14h. Bah ça va, j'ai encore 16h pour train. Si tu peux prendre... Ah ouais, toi tu dors pas, quoi, du coup. Tu fais train d'oche. Dormir, c'est de l'eau, hein. Parce qu'en fait, je m'entraîne fatigué, et puis j'ai augmenté le taux d'humidité dans mon appart. Du coup... Taux d'humidité? J'ai exactement. Je l'ai mis à 65%, du coup. Et ça joue vraiment sur ta performance, genre? Pas du tout. Pas du tout. Mais on est encore loin de Discovery Ridge ou quoi? Oui. Ah oui. Oh, je traîne avec toi après le live. Ah oui, y a pas de soucis. Hein. Dans 3 cases environ. Moi, après le live, je mange. Ah. D'ailleurs, c'est quand que tu commences la petite salade? Comme ça, on passe à table direct après. C'est vrai que je sais pas moi-même à quelle heure je vais terminer. Vu comment on est parti. J'essaye de siffler mais ça marche pas. Putain, je suis en train de voir du live. Bon, imaginez que j'y arrive du coup. On aurait dit un Kirby. Le vent, est-ce qu'il est toujours en face de nous? C'est pas mon téléphone, pas ma faute, pas ma responsabilité. Tournez les voiles, s'il vous plaît. Quel côté? Vers la tribord. Ok. Je peux commencer un peu à aller à bâbord, même, capitaine. Vous pouvez aller à bâbord, un petit légèrement. Légèrement à bâbord, comme ça. C'est assez léger ou encore plus léger? Encore plus léger. C'est bien comme ça, c'est parfait. Pas trop plus lourd, s'il vous plaît. 16 heures de train Trackmania, je meurs sur place. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est le décès. Non, mais moi je fais pas, moi je joue pour le fun. Bip et jambes de bois. Bip et jambes de bois. Bip, bip, bip. Moi je vais jouer de l'appel. On tire à bâbord. Comment ça, tire à bâbord? Bah, il y a des coups de canon du coup. De qui? Ah, de Lille. Oh bah. Nao. On s'en va nous-mêmes, hein. Nao? Ouais. Je suis général de Gaulle. Comment j'ai l'appel du 18 juin. LOL. Mais on n'est pas le 18 juin. Mais économisez, non, les boulets de canon, vous n'allez pas les avoir, ouais. On sera déjà loin. Ah, peut-être pas. Allez, on joue de l'appel. Mais non, ils savent. Bon bah vous touchez. Réparer le bateau. Ah mais ils ont deux trucs. Putain, bah vous pouvez là. Réparer et copier, voilà. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette île de ces morts? Ça me dit quelque chose, on est déjà venu là en plus je crois. Non. Où est-ce que c'est cassé? Eh ben je sais pas. Bonjour Carglass, où est l'impact de 2 euros s'il vous plaît? Il est au premier étage. Attention, il y a peut-être un autre poulet qui arrive sur nous là. Mince. Non, c'est à côté, hein. C'est raté, salut. Salut, c'est raté. Et les squelettes, vous êtes des squelettes eux. Des squelettes féminines. Tu peux aller au sud. Donc un peu encore à bâbord. À bâbord? Ouais, pour esquiver l'île qui va arriver. Calglas. Calglas répare, Calglas remplace. Pas mal. Très bon ça, Julouve. J'approuve la blague. Ah ouais, moi j'approuve à 100% aussi. Mais on avance tellement pas. Allô le vent. Putain mais fou l'enfer. C'est qui capitaine. Le dieu du vent? C'est Éon. Pas du tout. Éole. Attends, non. Oui, c'est Éole.
Eos. Mais Éole, c'est dans la Grèce. Attends, Éos, c'est nous. Est-ce qu'on se revendique de la mythologie grecque? Ah ouais, peut-être pas. Bah, j'ai pas du coup. De toute façon, c'est Loki. Loki, c'est le dieu de tout. C'est qui le dieu du vent nordique? Ah, c'est vrai que t'aurais peut-être dû le dire. Non, c'est en Gaule. Ah, c'est un viking. Bah ouais, je me sens plus proche des vikings là tout de suite sur un bateau que du reste. Hein. Alors... Njord. En tout cas, il y a Eos, ce... Njord. Njord. Non, mais c'est le soleil. Déesse de l'aurore. La femme de Éole, c'est l'éolienne, non? Bah, bien sûr. Ok. C'est pas moi qui l'ai bête. Je sais, c'est moi j'ai trouvé. C'est Tartine de Nutella et j'ai trouvé drôle. Voilà. Mais c'est Njord, dieu de la mer et des vents. Ah bah c'est notre mais dieu. Njord. Mais Njord à tous. Njord. La femme d'Éole, c'est éolienne. Dans la mythologie Njord. Il a du ping, hein, Dark Eras apparemment. Pourquoi? Ah, la femme de l'éole, c'est éolienne. Mais pourquoi vous dites que j'ai du ping? Mais bah parce que 3 ans plus tard, quoi. C'est pas comme si on avait tous refait la blague depuis. Même Ragnar a posé son petit commentaire sur la question. Ah yes. Et Dark Eras, tournez les voiles, tournez les voiles. Il faisait de l'accordéon, je pense, tu vois, il était pas dans le délire. Ouais, non, j'ai écouté ce que j'étais en train de faire. Allez, Njord, donne-nous ta force. Quel... Sinon, on peut souffler, nous, hein. Ça doit marcher. Et là, normalement, à tribord, légèrement, on devrait apercevoir l'île. Alors, attends. Quoi? On arrive bientôt? C'est ce que tu es en train d'essayer de nous dire? Yep. Oh là là! C'est l'île qui a... Oh lolo. À tribord, là. C'est l'île... Ça? Ouais. Bah, je tourne vers l'île, alors. Yep. Oui. Bah, allez, fallait le dire tout de suite. Dans 500 mètres, dans vous êtes arrivé à destination. Nous arrivons à Discovery Ridge. Je rappelle que nous avons pour l'instant un rubis sur les deux yeux. Bienvenue sur Pipe et Jambes de Bois FM, la radio des pirates. Pipe et Jambes de Bois, Pipe et Jambes de Bois, Pipe et Jambes de Bois. Pip, pip, pip. Pourquoi je la connais pas cette musique, moi? Parce que c'est le voir, ma pipe. What the fuck, mais on est très loin là. On avance tombez, pas. Tombez, Captain. On avance allez, tellement non. Pas. Salut, Aolin, c'est toi la femme d'Éole? Non, la mère. Mais non. Allez. Si, c'est Njord, on a dit. Alors, Njord, quand tu veux, hein. Quand tu veux, le vent. Le tribord. Là, tu es en train de. Ah, moi, tu veux faire un. Je slalom depuis tout à l'heure, moi. C'est ce que je vois. Woodleg. Apparemment, Amtaro révise son anglais. Mais... Ah ouais, Dark Eras, c'est encore son. Njord, c'est la femme d'Éole. Mais non, Njord, c'est le dieu du vent et des mers. C'est Aolin, la femme d'Éole. Attention, on arrive à Discovery Ridge. Enfin. Après attendez l'arrêt complet du véhicule avant de descendre. N'oubliez pas vos affaires. Nous rappelons que nous sommes en plan Vigipirate et que tout colis abandonné sera déclaré suspect et sera explosé par les forces de l'ordre. Merci à tous pour votre coopération. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. Ah, c'est le radar de l'île. Bah, je t'ai l'encre, hein. C'est pas, je t'ai l'encre, hein, du coup. Hein. C'est ce que je fais. Non, mais moi, je trouve que mon créneau est vraiment bien. Moi, je trouve que j'étais bien. J'étais juste ce qu'il fallait. Bon, alors, je vais sur l'île. Et quand même. De toute façon, aujourd'hui, personne m'écoute. C'est le bateau full option. Je veux dire n'importe quoi, c'est Hervé. C'est Hervé, c'est le radar d'approche de l'île. Pour mon créneau, c'est important. Autoradio, radar de recul, GPS, what else? Je viens d'arriver. On me dit que je suis la femme d'Éole, je comprends pas. Parce que Éole, c'est le dieu du vent grec. Et du coup, il y a eu une petite vanne. Et du coup, la femme d'Éole, c'est éolienne. Voilà. Et comme ton pseudo peut faire penser à éolienne vaguement, pour ceux qui ne savent pas lire éventuellement, et ben voilà. Oh, oh. Oh, un petit bassin pour s'y baigner. C'est ça le trône du poisson dont il parlait là? Non, parce que faut être sûr.
le trône de la Poiscaille là. Mais what the fuck? Pourquoi c'est je suis tombé? Tout en haut. Tout en haut de l'île, il y a peut-être un trône. Oh, c'est sûr même. Ah. Je teste. Oh! C'est le trône du poissonnier en poisson là! C'est donc. C'est donc ça. Bon, on est sur le trône du poisson. Essaye de creuser? J'y suis. Non, mais il n'y a rien à creuser là! Okay. Là, là, là. Sur la grande île, le trône du poisson éclat, l'homme s'éveille sans sa pierre, il parle à redouter, redoutant le jour suivant. L'homme navigue vers le perchoir de l'oiseau fier, espérant son aide dans sa quête. Le fier n'a pas la pierre, un autre mettra l'homme sur la voie. Donc là, je prends le perchoir de l'oiseau. Putain, il y a des perroquets en masse sur cette île en plus. What? Oh! Solo! C'est mon trône! Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Et toi, tu regardais ça sans rien faire à Corus? C'était magnifique à voir! Hein. Dit-il en s'engouffrant de son cordon bleu. Non, là, c'est sans doute du camembert. J'ai découvert que j'avais un camembert dans le frigo. Du coup, bon, je mange. L'aigle, on cherche l'aigle ou quoi alors? Mutinerie! Craquez-nous! Ah, c'est ça l'aigle. Il y aurait une île par là-bas, ce serait fou. Attendez, j'ai besoin de prendre de la hauteur. Et ben on va naviguer sur cette île là. Je sais pas ce que c'est. Attends. Mais ça c'est un très beau bateau ça là-bas. C'est sur la boussole. Non, tu vois le bateau pirate là-bas? C'est le bateau pirate? Ouais, je crois bien que c'est le bateau pirate. Genre si on va full nord-ouest. Nord-ouest. Ouais. Ouais, on va à gauche quoi. Nord-ouest. Bah, l'île du bateau l'aigle, il est juste au nord-ouest de ça. Tu vois cette île ou pas? Parce que j'étais sur le bateau avant, mais. Voilà, gros, ok. Est-ce que le bateau pirate va venir sur nous en drift? Non. J'espère pas. Non, il a l'air de partir dans l'autre sens. Tu vois, c'est quoi cette île au nord-ouest? Attends, je check dans le bateau. Ouais, parce ouais. Que du coup, j'ai. Ah mais on a reperdu Darkeras, mais c'est un monde hein. Hop là. Ouais nord-ouest c'est ça. Alors. Tu vois un truc toi nord-ouest? Attends, ah oui, je nage. Une île. Le piaf? Après c'est peut-être des cailloux hein genre. Ah oui le piaf oui. Parce que nord-ouest. Ouais non mais oui non mais d'accord je voyais pas le piaf mais en fait il est beaucoup plus haut que ce que je regardais. Nord-ouest. Nord-ouest. Faut suivre. Nord-ouest. Le trident. Non, nord-ouest. Le hameçon. Y'a rien marqué? Non. Bah, c'est peut-être une île non référencée. Hein. Mais on va y aller tout de même. Bah voilà, on va y aller. Sachez-le. Signal GPS perdu. Signal GPS perdu. Allez, on embarque! Tout le monde à bord! Oh merde, elle a pas compris la ref. Ah non. Par rapport à l'IA. Bah attends, c'est en plusieurs étapes, donc toi t'as peut-être la solution finale, mais laisse-nous faire la démarche. Attends. Loupé. Parce que une fois qu'on sera sur l'île de là-bas, on pourra Loupé. Voir où mène la tortue. Et si à la rigueur... Attends, laisse-moi essayer. Ce n'est pas ça. Merde, loupé. Un peu plus trop tard, voilà. Non. Ah, vous essayez de me pécho, genre? Lol. De te pêcher? De me pécho. Yes. Attends. Remontez l'encre, baissez les voiles. En fait, tout ça. J'ai dit de la merde, hein, donc. Comment ça, t'as dit de la merde? Non mais c'est bon. Comment ça, c'est bon? Non mais nord-ouest. Putain. Ok, on est sur la bonne voie. Qui c'est qui avait raison, Bibi? Allez hop. Putain, c'est parce que. Bip-a-pou. C'est toutes ces activités physiques, ça m'a. Malam malam malam. Il a branché un câble. Cette activité physique, il a dit. J'ai couru, je suis allé sous le bureau et j'ai couru. Merci, je l'avais. À ne pas
Interprété bien sûr. Ta 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 la ta la ta la ta. Pipe et jambes de bois, pipe et jambes de bois. Non, mais par contre le vent s'il te plaît. Yard. C'est vraiment tout là-bas quoi. J'entends un truc. Un mégalodon. Oui. Il y a eu un son bizarre. Merci. Yeah. C'est mégalodon. Oh ta mère, le mégalodon. Notre bateau est plus gros que toi. Allez, va voir ailleurs si on y est. Je suis pas sûr. Comment dire? Il est derrière nous. Ah, parce qu'il grossit en fonction du bateau. Plus t'as un gros bateau, plus le mégalodon est gros. C'est bizarre ça. Il nous fonce dessus, capitaine. Amtaro, il dit de sonner la cloche. Ça les fait fuir. Bah, vas-y, sonne la cloche, ça l'éloigne apparemment. Lol. Je suis pas sûr de. Est-ce qu'il est bien capable? Ah bah voilà. Alerte rouge. Il est à côté. Il est à tribord. Bah laissez-le, il vit sa vie, voilà. Lui faites rien, c'est pas le moment de sortir le harpon comme ça. Bah. Shiman est tombé. Une Nao pendant le dragon. Aïe. Tu veux que je tire, capitaine? Bon. Je vais plus à la vigie, c'est trop. C'est là-bas. L'île. Ah bah voilà, il est là. Mais putain, mais non. Vous êtes fous. Michel. Non, stop. Vous êtes... Mais vous êtes ouf. Vous êtes ouf. Genre... Ah, je l'ai harponné. Ah merde. Je suis tombé. Mais je t'ai dit de pas le harponner. T'es... Con ou quoi? Oh mon dieu. Michel. J'ai eu trop peur. Oh, faut réparer. Ah, mais je... Oui bah je peux pas, j'essaie d'éviter le truc. Et j'ai vu la mâchoire du mégalodon. Mais jusqu'à présent, ils nous laissaient tranquilles. Pourquoi? Parce qu'on les laissait en paix. Attends, je fais diversion. Non, mais il a peut-être pas kiffé le boulet de canon. Mais et qui lui a envoyé un canon? Putain, vous êtes à la masse. Je sais pas, ça doit être un gros con. Zorus, mytho, bah. T'as tous vu. Allô? Putain, on va se prendre l'île maintenant. Bon, bah, je suis pas là pour vous aider. Hein. Par contre, il faut réparer. Hein. Alerte rouge, à la fin. On va dans l'île. Oh mon dieu, j'arrive pas à tourner plus. Bien. Bon, il m'a croqué encore, what the fuck, j'ai lâché la barre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On est arrêté? Non parce que ouais, le bateau est en train de décéder là. Ah, le bateau coule. Putain mais vous savez que... Oh vous m'énervez, on va repop pas. Va l'aider là-haut, va l'aider. Mais aider quoi? Je suis sous l'eau. Allô. Il faut écoper. Ouais je vais écoper, ouais. Super bonne idée. Écopons tous. Mon joyau. Non. Le joyau. Mais je l'ai pris. Putain merde. Le bateau coule. Je suis bloqué dans ma cabine. Mais où? Ah yes. Et j'ai, de loin j'ai vu le bateau couler. C'était le Titanic. Je vous déteste. Genre vraiment. Bah, non mais. Vous rendez compte du temps qu'on a mis pour en arriver là? Mais t'inquiète, j'ai le joyau. Mais t'as le joyau mais... Mais on est en train de... C'est une reconstitution du Titanic. Là en fait le diamant c'est Oula. Allez, oh là là. Allez. Moi je vais décéder genre. Je vais décéder sans bateau. Ah bah ça y est, je suis vers le bateau tout neuf. Oh, où est-ce qu'on est? Il y a des requins qui arrivent sur vous, genre vraiment. Attendez. En plus je suis loin de toute île, c'est ça? J'ai tout fait qu'on a un peu de chance. Super. Avec un peu de chance. Ah mince, comment dire? Non mais tout merci va bien. Merci Arxorus hein. Tout va bien. Et je vous ai dit de jamais toucher au mégalodon quoi. Ton doigt dans ton cul, oh, voilà. Putain, c'est là où tu dois le mettre, c'est tout. Y a pas d'autre. Ah, j'ai pas encore fait peur. Arrête de sonner la cloche. Je me casse d'ici. Attends, on était tellement proche de l'île là. Ouais. Où on est? On est super loin. On est sur l'île de Raven là. Full le sud-ouest, allez, go. Ouais, mais attends. On a plus joyau. Bah non. Ah, on a perdu la carasse. Comme on s'amuse bien. Donc plus que le Kraken, c'est bon. Donc on peut aller récupérer le joyau sur la première truc, c'est ça qu'il faut faire? Bah non, parce que du coup il est toujours considéré comme quelque part. Attends, niveau de la quête, ça fait quoi?
On a perdu le joyau ? Bah écoute, ouais. Non. Alors, je l'avais, mais je peux pas prendre Poséidon avec. Tu peux pas prendre quoi ? Je peux pas prendre le, tu sais, la sirène là. Et qui ramène au bateau. J'étais 4. Oui, mais il y avait un requin et j'avais rien pour me défendre contre le requin vu que j'avais un joyau dans les mains. Mais fallait le poser, tuer le requin et reprendre le joyau. Bah, il y aurait eu un autre requin. Et j'avais plus de vie. Ah yes. Genre une L'équipe attaque du requin, ça m'a tué. L'équipe de génie. Ah yes. Alors putain, du coup c'est mort. Du coup en fait pour recommencer, on va peut-être avoir une quête complètement différente, c'est ça? Exactement. Et il est déjà 21h, donc autant vous dire que c'est raté, hein. Bah non, parce qu'on n'a pas les objets. L'échec m'a dit une Rexorus. Rexorus? Non, c'est pas ma faute. Il l'a bien. Tu vas devoir rendre des comptes au capitaine, hein. Non, mais je pense qu'on peut continuer en vrai. Mais on a plus. Ouais, mais on a encore les objets de quête. Attends, parce que... Je demande un vote. Je vote pour mettre au fer Rexorus. Ah oui. Ah oui. Attends, tu peux le faire ça? Oui, vous pouvez. On va tester la feature alors, c'est bien. Vous mourrez jamais. On t'aura jamais? Non, on mourrez jamais. A reçu 2 votes sur 3. Avec qui n'a pas voté encore? Attends, comment on fait pour tu voter? Tu vas dans Échappe mon équipage. Ouais. Tu cliques sur Rexorus. Tu cliques sur Rexorus et tu mets oui. Attends. Il est grand temps de changer de Mister NHD, tu as tout à fait raison, Obi. Non. Ah, si. Rexorus a été mis au fer. Oh là, je vais m'enjailler devant cette vision. Alors? Hop, bah je vais dormir, moi, du coup. Ton doigt dans ton... C'est pour le bateau. Une minute de silence pour le Naïceo. Donc Rexorus ne sera pas du prochain embarquement, moi j'annonce, hein. Moi je préfère 100 fois Amtaro, voilà, c'est dit. Ché. Je me suicide, adieu. Wouh. Et bah si ça achève cette grosse performance, en tout cas ce soir qu'on vous a réservé, hein, on a bien avancé, ça fait plaisir. On n'a pas du tout perdu notre temps. Quand j'avais dit que du début à la fin, c'est là, il part en couille. Et ben c'était vrai. Je, tu vois, en même temps je l'avais senti, hein, j'aurais dû me dire que bon, hein. Évite Nao, évite prendre la mer. Quand tu as eu des problèmes d'internet comme ça, c'est si délicat. Écoutez, bah merci à tous d'avoir assisté à ce stream, j'espère que ça vous aura plu quand même si on fait nimp, hein, clairement là on fait nimp, moi-même ça me frustre un petit peu. C'est la faute de Rexorus, hein. Dites-le. Désolé. Et donc demain matin on se retrouve de 10h à midi pour la petite matinale où on ira tester le jeu de Mercenary. Et on se retrouvera ensuite pour la ZRT Cup à 14h où on n'ira pas du tout host Rexorus après, une fois qu'on aura été éliminé du coup. Non. Pour le punir. Voili voilou. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, bye bye.